Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle recette vegan comme le titre l'indique. Je vous souhaite un grand plaisir à regarder cette vidéo. Vous allez avoir besoin de 100 à 150 champignons comme il vous plaira. Moi j'ai pris des champignons chinois. Voilà, vous les rincez. Vous allez aussi avoir besoin d'une gousse d'ail que vous allez préalablement la découper en petits morceaux. Voilà. Prenez de l'huile de colza et vous allez faire revenir votre ail à feu moyen quelques minutes. Ensuite, vous allez venir ajouter vos champignons et vos châtaignes et ainsi vous allez laisser cuire à feu doux pendant 10 à 15 minutes. Voilà, là entre deux, vous pouvez voir que j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Et aussi, ce que je n'ai pas montré, c'est que j'ai rajouté un peu d'eau parce que je trouvais le mélange un peu sec. Ensuite, vous prenez une casserole et vous allez mettre 100 à 150 g de riz et vous allez laisser cuire pendant 10 minutes dans 2 fois son volume d'eau. Rajoutez une cuillère à café de bouillon. Prenez un gros avocat que vous allez venir couper en deux. Ensuite, vous venez enlever la chair et la mettre dans un récipient comme je le fais là. Et surtout, vous ne jetez pas la peau. Ensuite, vous venez écraser la chair de l'avocat. Voilà, essayez d'avoir une pâte un peu homogène. Parce qu'ensuite, on va venir épicer tout ça et rajouter d'autres petits trucs. Comme je vous le disais, vous allez venir presser 2 citrons. Parce qu'on aura besoin de son jus pour enfin l'ajouter dans la mixture avec l'avocat. Voilà, comme je le fais. Et vous allez ensuite patouiller tout ça jusqu'à ce que ça soit tout bien mélangé. Et ensuite, on va épicer. Pour les épices, vous venez mettre ce qui vous plaira. Moi, j'ai mis de la cardamome, du poivre de citron, du gingembre, du piment de cayenne et des graines de moutarde. Voilà. Dans la casserole de votre riz, vous allez venir enfin rajouter vos raisins secs. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en rajoutez tout simplement pas. Ensuite, vous allez venir prendre votre petite mixture d'avocat et vous venez la mélanger à votre riz. Ensuite, je viens ciseler de la coriandre sur mes châtaignes. Voilà, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis ma petite mixture dans les pots d'avocat que j'avais gardé. Et je prépare un joli petit plateau. Voilà, la recette est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous la testerez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé, si vous avez aimé. Et surtout, n'hésitez pas à me taguer dans Instagram si vous publiez des photos. Merci, bisous. Alors, mon amour, c'est bon? Non. Quoi? Hey, n'hésitez pas à me suivre.